Cette fois-ci, vous croyez sûrement que je suis venu m'acheter des pantalons chez Marité François Gerbeau. Eh bien, je suis plutôt venu voir une exposition, celle de John Mingola. John Mingola, j'aimerais savoir comment vous trouvez le fait d'avoir vos œuvres dans un magasin où on vend des vêtements. Normalement, j'expose dans les galeries. Mais la plupart du monde sont un peu intimidés par les galeries comme telles. Alors, c'était ma façon d'amener de l'art au public en général. L'inspiration, c'était surtout la vache. parce que les sculptures sont construites avec des cartons de lait. Vous disiez que vous aimez beaucoup la musique. Est-ce que la musique est importante dans la création de vos œuvres? Je pense que c'est tout related. J'écoute la musique beaucoup. Mes amis sont des musiciens. J'apprécie la musique. Et ça m'inspire aussi. Et si on vous propose de faire encore une fois dans un magazine d'exposition, est-ce que vous le referiez? Oui, parce que j'ai rencontré du monde qu'on ne voit pas dans les galeries d'art. Le monde de fashion, par exemple. C'est ça l'objectif, comme j'ai dit. Je veux toucher toutes sortes de monde, pas juste un monde sélectif.